Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo nuancier. Donc, j'ai découvert très récemment, c'était vendredi dernier, la chaîne de Panora Mimix. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est vrai que je n'ai pas demandé si je pouvais le montrer en vidéo. Je pense que si je mets le lien vers sa chaîne, ouais, c'était pas très réfléchi, mais bon, voilà. Bon, écoutez, je vous mettrai le lien vers sa vidéo, et puis s'il y a un problème, ben, je m'excuse par avance. Donc, elle a créé des nuanciers. Alors, ça, c'est des feuilles en trop. Ah, c'est le bazar, c'est pas du tout rangé. Super. Bon, bref, elle a créé tout un tas de nuanciers que je vous laisserai aller découvrir. Nous, on va en prendre un. J'avais envie de prendre celui-ci. Pour faire le nuancier de mes néocolores. Donc, les néocolores, je ne les utilise pas très souvent parce que j'y pense pas nécessairement. Parce que, ouais, j'ai déjà d'autres supports, mais surtout quand je veux les utiliser, je sais pas, non, vous les voyez pas. Hop, on va essayer de vous les montrer. Ils sont tout sales, voilà, et ils sont tout sales parce que, et j'en ai plein dont les étiquettes sont orange parce que j'avais renversé une bouteille d'encre il y a très longtemps à l'intérieur, et du coup, ça me les avait tachés, et voilà. Je cherche ma petite loupe parce qu'à mon avis j'en aurai besoin. Donc l'idée c'est de faire le nuancier parce que j'ai décidé là une bonne fois pour toutes, enfin ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai décidé de mettre mes nuanciers tous dans un même format et tous au même endroit. Et là j'ai décidé, alors je sais pas si ça va le faire, Mireille m'avait donné des petites gommettes rondes, mais ben, je les ai perdues. Et l'idée, ouais, ça va pas tenir. Pénible. Non, ça colle pas, ça tient pas. Bon, ben voilà, fin de l'histoire. L'idée, c'était de mettre un. Oh non, mais elles sont foutues, mes étiquettes, je pense. Bon bref, eh bien, il faudra encore recommencer pour ça. Je voulais en fait leur mettre bien. Des étiquettes pour qu'on voit un peu mieux la couleur directement collée sur. Vous savez, comme on fait sur les pots de bruchot en fait. Je sais pas si je suis très claire. Donc voilà. Donc, on va commencer. On va peut-être les faire deux. Je sais pas. Deux par deux. Voilà. Mais ça, c'est censé être du blanc, vous voyez. Et vous voyez pas, mais c'est les couleurs pas blanc. Donc, bah déjà, ça commence pas terrible. À moins que ce soit pas du blanc. Hein. Si, si, blanc. Bon, ben, c'est pas blanc. Hein. Il y a même du vert. Oh là là. Je sens que ça va être périlleux comme histoire. Surtout qu'il va falloir que j'écrive ce que c'est, etc., etc. Avec un stylo qui ne bave pas. Ouais. Bon, bah comme d'hab, vidéo très préparée. Avec un bic, ça marque. Ça bave pas, un bic. Alors, on va faire Néocolor 2. Voilà. Là, on va écrire blanc. Hop, désolé, ma fille m'appelle. Alors, je ne suis pas très sûre de moi hein, dans ce que je suis en train de faire, mais bon. On verra. Quand les noms sont grands, je suis passée par-dessus, mais je ne sais pas. Ça nous permettra aussi. Ah ben voyez, regardez.
Hop là. Là, techniquement, c'est le même. Donc celui-là, je l'ai en double. Là. Là, je vois rien, c'est une catastrophe. Sanguine. Oui, je sais pas si quand je vais repasser par-dessus, là, ça va ou ça va pas. Affaire à suivre. Bon, vous allez peut-être pas me regarder faire. Personne qui peut me prêter ses yeux là. Oh, c'est pénible. Le bain. J'en ai quelques-uns quand même. Enfin, pas des tonnes, hein, mais j'en ai quelques-uns. On va faire ces deux-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait les deux noirs là, en fait. Là, c'est pas noir les deux, hein. Il y a sépia. J'aurais dû les faire là-haut. Sépia et celui-là, c'est noir. Ensuite. Oui, je le fais vraiment à ma sauce. Hein. C'est surtout que. Bon, ça, c'est Karma. Et ça, c'est écarlate. On va mettre le plus foncé des violets, ça doit être celui-là. Violet. Non, c'est pas celui-là, si. Et ça, c'est quoi? Lila. Violet. Lila. Mais vous voyez, je peux pas. Je vois rien dessus. Donc après, comment voulez-vous que je les retrouve si je leur mets pas. Je crois que je vais leur mettre des numéros en fait. Si je trouvais des gommettes ou quelque chose qui colle là dessus, je les numéroterais en fait. Ça pourrait être une bonne idée. Alors là, ben, ça va être coton. On a l'autre morceau, hein. Pourpre. Ah, à moins que ce soit violet pourpre. Attendez. Faisons de la reconstitution. Ouais, c'est ça. Violet pourpre. Tac. Mauve. Je vois que dalle. Alors déjà que je vois pas très bien, mais en plus, voilà, celui-là c'est pourpre tout court. Mais en plus là, avec tout ça là, ça va pour l'instant. On a un seul double. Rose, saumon. Et
à part le blanc, ils sont tous plus ou moins propres. Ben, les pointes. Orange. Là, il y en a deux qui se ressemblent. Jaune. Vous l'aurez compris, le jour où j'en rachète, eh bien, je ne les mettrai pas à côté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que je ne peux pas. Je peux pas. Jaune paille. Et, ah non, et jaune d'or. Alors lui, il est tellement sale, vous voyez. Heureusement que j'ai pas fait mon nuancier, il fait vert. Du coup, on va commencer par celui-là. Jaune paille. Et on a mis jaune d'or. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir tous mes nuanciers réunis au même endroit, au même format. Et d'harmoniser, vous voyez, là de mettre un numéro ou quelque chose parce que je vois pas. Et si je mets, je prends ma boîte de néocolore que j'ouvre et que je veux le jaune citron, ben, je ne vais jamais savoir lequel fait jaune citron, quoi. Donc je pense que je vais leur coller un numéro quelque part, histoire que ce soit plus facile. Allez, on enchaîne avec le vertilleul. Ensuite, ensuite, vert jaune. Ça, c'est au moins vert prairie. Non, vert brillant. Vert prairie. Alors après, je suis pas celle qui a la plus grande collection de néocolores hein, pour vous donner envie, mais je dirais un truc genre, ouais, mais regardez-moi ça. Comment voulez-vous? Déjà que je vois rien, c'est vert émeraude. Eh ben, j'aurais jamais dit ça. On va passer sur un kaki. Ben voilà. Matériau trop fragile pour moi. Olive foncé. Là, j'en ai deux maintenant, les foncés. Ah là là. Celui-là est trop beau. C'est le jade. On enchaîne avec un vert turquoise. Et après, on repart sur l'éclair. Donc là, on a le bleu turquoise. On va bien sûr les aquareller hein, pour avoir. Alors là, on a un bleu de cobalt. Et là, on a
un bleu de cobalt. Yes. Verre de malachite. Verre de malachite. J'enchaîne. Ça doit être un truc genre lavande. Bleu lavande. Ah, mon stylo, il n'écrit plus dans le truc. Hop, ensuite, bleu outre-mer, et enfin, c'est mon dernier, bleu de Prusse, qui est vraiment très foncé, bleu de Prusse. Voilà, donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors déjà, ça me permet de savoir combien j'en ai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36, 37. Voilà, j'en ai que 37. Je ne sais pas combien il en existe, mais beaucoup plus que ça. Donc, on va tous les aquareller. Je pense que je vais laisser une partie non aquarellée et une partie aquarellée. Voilà, donc ça, je le fais sans vous. Je l'ai déjà appris beaucoup de votre temps. Et je vous montre le résultat en photo de la fin de mon petit système. Là, je vais couper, perforer et mettre les pages. En fait, elles seront face à face. Les trous vont être là et là. Vous voyez? Voilà, donc il faut encore que je cherche la perfo. Je vous mettrai en photo la perfo que j'aurai utilisée par rapport au planeur que je vais utiliser. Voilà. Allez, je vous laisse regarder les petites images de la fin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, j'ai terminé mon petit nuancier. Donc, j'ai aquarellé mes petits néocolores. Ce que je ne trouve pas, donc les étiquettes que je vous avais montrées tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit que j'allais mettre des petites gommettes, vous voyez, j'ai fait le 37 pour les coller sur les crayons, ça ne marche pas non plus. Donc je me dis peut-être qu'en fait il faudrait entortiller ou alors du masking tape. Mais il va arriver, j'en ai marre de me cogner la barrette là-dedans. Imaginez que c'est pile poil à l'endroit cassé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas du tout comment faire. Donc, si vous avez une idée, eh bien, je suis preneuse. En Posca, je vois pas comment je vais pouvoir... écrire. On peut être l'enrouler sur lui-même. Je ne sais pas. Si je prends une étiquette comme ceci et que du coup je lui fais faire un tour au type. J'avais essayé de la poser dans l'autre sens, non? Oui, puisque là, ça a l'air de tenir. Comment j'ai fait tout à l'heure? Je fais ma blonde, j'ai voulu la mettre. Non, je pense que cette étiquette qui colle pas en fait. Bon, bah écoutez, peut-être comme ça.
Peut-être comme ça. Ça a l'air de tenir. C'était peut-être juste elle qui collait pas. Bon, en tout cas, voilà. Il faut que je trouve quelque chose. Mais si je ne trouve pas, ben je suis preneuse de vos idées et solutions sur la question. Voilà. Donc pour les néocolores, c'est OK. Je vais mettre en route mon planeur. Je pense que je vous l'avais montré. Je l'avais acheté chez Noz. C'est un rayeur. Voilà. Donc je vais perforer dès que ce sera sec. Parce qu'on ne va pas prendre de risque tout de suite. Enfin, de risque, façon de parler, hein, vous m'avez compris. Mais de pas. Voilà. Et après, c'est surtout pour les crayons de couleur, les feutres, etc. etc. Mais pourquoi pas les distress, etc. etc. Après, le truc, c'est que si ça sert. On y est là. Heureusement qu'il y a ma barrette. Hein. Parce qu'il n'y a pas ma rade, je touche pas du reste. Mais bon. Si ça sert aussi à remplir et pas uniquement à choisir ses couleurs dans une création. Quand je dis à remplir, c'est à refaire ses stocks. Quand il nous manque une couleur ou qu'on n'a plus. C'est vrai qu'il faut quand même que ce soit portable, quoi. Parce que la dernière fois, j'avais fait un système pour aller en salon. Mais du coup, je l'avais oublié dans la voiture. Donc, c'était pas très malin. Voilà, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez des idées, je suis preneuse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.